Le reportage, vous devez l'écouter, mes chers amis, puisque c'est 1h30, Black Rock. L'argent Écoutez dépensé de l'âme absolument ne peut nous ça. servir à sauver le corps. Le titre, c'est Donner financiers lieu à de nombreux actes qui de protestation. dirigent le monde. Larry Fink se fait Black régulièrement épingler pour ses Rock. investissements dans des C'était filières cruciales diffusé comme le charbon, sur le pétrole ou le Arte. gaz. Mes chers amis, moi je l'ai diffusé en partie il y a déjà quelque temps. Et une Nous chose que lâchons je veux vous aucun droit dire, d'audition de Black la Rock. totalité de Lors de la réserve manifestations fédérale, s'adresse que à l'armée. Black Rock et que Gilets J'ai jaunes ils aussi ont fait fait ici bientôt en appel aux France, le syndicats. commencement, Alors que les ça consultants que nous avons concernait choisis Black mettent en Rock. place des Chinese Walls pour dire peu de temps Puisqu'ils vont après, entrer l'entrée dans du le. Congrès a Ils été sont levée déjà entrés. et les Une primes partie risques de sur les obligations financement d'État grec sont qu'ils enchaînées. font, Ce ça n'est qu'un désaccord concerne d'un point de vue théorique. sécurité sociale, Pour sa retraite, défense, etc., Black etc. Rock rappelle qu'elle était Vous société avez anonyme. entendu, on disait L'équipe de consultants indépendants on ne qu'elle a montée en cotisait plus 2008 à n'est, partir de dit-elle, certains strictement séparée revenus des services d'investissement, y chez compris pour URSSAF ou l'État. Sécurité sociale En outre, française. elle Vous est allez régulièrement cotiser soumise à des contrôles chez techniques ces gens-là. rigoureux. Ces gens-là qui vont Ce sont prendre les Chinese ce Walls, comité c'est le grand social du mythe de monde la entier, finance, c'est son et qu'est-ce de alter-ego. retraite, et patati C'est la patata, raison pour laquelle alors on a séparé la finance des une sociétés partie du d'activité, leurs population qui sont marchés, âgées, les activités malades, de détail, qui consomment trop les médicaments. les en général Voilà. fonctionnent un certain Alors, temps et Black qui, Rock, comme dans toute qui vend, par entaille, exemple, ont une actuellement, position dans ce partielle reportage, il dit, c'est fait financièrement dans par ce pays. Arte, il dit. Vous savez qu'il y a la guerre entre Yémen À l'approche des élections et Arabie présidentielles de Saoudite. 2018, la multinationale Et comme vous ADF le a fait savez, connaître qu'un nouveau candidat se prix présentait. de pétrole qui est en train d'augmenter, puisqu'il Il s'agit d'un y a politicien chaque de jour des gauche, problèmes, on Andrés frappe Manuel López Obrador, ancien maire de Mexico. le champ pétrolier d'Arabie Aucun Saoudite, au investisseur tant Qatar, qu'il ne à Abu nationalise Dhabi et tout d'importants ça, mais on ne secteurs vous de dit pas. l'industrie, comme Ici, il on ne dit souhaite pas le dans les nouveau infos, mais il y a séparatiste la guerre là-bas. Quelqu'un Et d'autre, le pétrole candidat qui le va plus fort était manquer, alors Monsieur López et pour ce Obrador, que les prix sont l'actuel en train président du Mexique. d'augmenter. Mais Celui qui Black a le Rock, plus à la montre des ils vendent géopolitiques des et économiques armements au dominantes Yémen, dans le pays depuis même des décennies. à Arabie Saoudite, à l'Iran et même à l'Arabie Le Saoudite. secteur Et ça, c'est pétrolier du international. Ce président n'est Obrador pas aussi seulement les chasse des armements capitaux de étrangers la pour Chine détruire ou le de la Mexique Russie dans ou le de la secteur de France. l'énergie. C'est Est nul. international. Black Rock C'est-à-dire, n'est c'est une une caisse plateforme qui vend. et prononcée en faveur de la privatisation des entreprises publiques. Dans le Ce qui monde allait dans le entier. sens de Écoutez, sa ça c'est future très employeur. intéressant. Croc s'est fermement établi dans le secteur énergétique mexicain il y a une dizaine d'années. Mais ce n'est que récemment que la journaliste Claudia Ocarranza a regardé de plus près le contrat signé à l'époque. Avec peu de moyens, elle enquête sur les lobbies pour le compte de l'organisation non gouvernementale PODER. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas filmer l'extérieur de son bureau. Au cours de ses investigations, la journaliste a découvert un réseau de relations entre les milieux politiques et économiques au sein de l'élite dirigeante du Mexique. Un nom revenait sans cesse, celui de Black Rock. Depuis 2011, des personnalités importantes du pays entretiennent des relations étroites avec le groupe financier. Pour commencer, BlackRock a engagé le fils de Carlos Slim. Le premier entrepreneur du Mexique, à l'époque l'homme le plus riche du monde, était en très bons termes avec la multinationale. Peu après, BlackRock a engagé Gerardo Rodríguez Regordosa. Alors secrétaire d'État aux finances, il s'était prononcé en faveur de la privatisation des entreprises publiques. Ce qui allait dans le sens de son futur employeur, BlackRock. En 2015, Larry Fink a rencontré le président de l'époque, Enrique Peña Nieto, au sujet de la compagnie pétrolière publique Pemex. On ne sait pas exactement ce qui s'y est dit, mais il existe un mémorandum d'entente entre BlackRock et Pemex. Il n'est donc pas difficile de comprendre à quoi a servi cette réunion. Pemex, qui était une entreprise publique, est devenue une entreprise semi-publique. Cela signifie que son capital a été ouvert aux investisseurs privés nationaux ou étrangers.
Claudia Ocaranza a eu accès au mémorandum. Il prévoit la création d'un bureau d'études commun à BlackRock et Pemex, ayant pour but de soutenir leur collaboration dans des projets énergétiques au Mexique. Le contrat proprement dit, qui contient tous les détails, reste à ce jour confidentiel. Officiellement, car il s'agirait d'un secret commercial et que cela pourrait menacer la relation entre BlackRock et Pemex, ainsi que la concurrence. Aujourd'hui encore, on ignore quel est le pourcentage maximal que BlackRock peut détenir dans une entreprise énergétique, ou quelles sont ses obligations en termes d'investissement. On n'en sait toujours rien. Mais la journaliste est parvenue à découvrir certains détails. BlackRock a accès à de gros projets énergétiques comme le gigantesque gazoduc Los Ramones. Avec un partenaire, la multinationale a injecté 900 millions de dollars pour développer cette infrastructure qui va relier le centre du Mexique au site de production de gaz de schiste au Texas. C'est le début d'une série d'investissements considérables dans le secteur énergétique mexicain. Malgré le changement de gouvernement et l'arrivée d'un président de gauche, BlackRock consolide toujours davantage son influence. Pour la seule année 2018, ils ont placé 85 milliards de dollars dans des fonds d'énergie renouvelable. Cela représente pratiquement 90% des fonds dont ils disposent. Et ils continuent d'investir dans le secteur de l'énergie. BlackRock fait partie des principaux investisseurs étrangers au Mexique. Outre le secteur de l'énergie, BlackRock s'intéresse surtout aux fonds de pension mexicains. En 2014, la Banque nationale l'autorise à investir une partie de l'épargne retraite des Mexicains. En d'autres termes, BlackRock a accès à l'argent de nombreux retraités et est chargé de sécuriser leurs rentes. Un marché immense. L'autorisation émane de la Commission nationale du système d'épargne pour la retraite, la CANSAR. Et ce, bien qu'un gestionnaire de BlackRock soit alors poursuivi pour délit d'initié. Même si les charges retenues contre lui ont été par la suite abandonnées, Claudia Ocaranza est convaincue que légalement, aucun contrat n'aurait dû être signé avec une entreprise contre laquelle des poursuites étaient engagées. Et ce n'est pas tout. Dans quoi BlackRock investit-elle mon argent? Pourquoi la CANSAR n'oblige-t-elle pas ses gestionnaires de fonds à révéler ces informations? La journaliste ne cesse de découvrir de nouveaux liens. C'est Isaac Portnoy qui aurait signé le contrat lucratif pour BlackRock. Auparavant, il travaillait justement pour la CANSAR, chargé de valider l'accord. Après quelques années chez BlackRock, Portnoy est ensuite allé chez Pemex, la société avec laquelle BlackRock a investi des milliards dans le secteur mexicain de l'énergie. Après sa prise de fonction. Qu'un dirigeant allemand puisse mettre toutes ses relations politiques à disposition d'une entreprise aussi puissante. Et que de surcroît, il revendique le droit de protéger les activités de gestion d'actifs de BlackRock, prétendument dans l'intérêt des citoyens. Mais personne n'est dupe. De même qu'il n'est pas crédible en connaisseur du monde économique. Il n'a jamais occupé de fonction de management. Dans la course à la présidence de la CDU, Friedrich Merz soutient également une mesure d'aide fiscale aux fonds de pension privés. Mais il omet de préciser que son ancien employeur en tirerait avantage. Le fait de s'offrir les services de M. Merz, qui a le bras long dans la politique allemande, et dont on espère qu'il pourra protéger nos intérêts, est éloquent. Le problème, ce n'est pas seulement BlackRock. C'est l'ascendant du capital financier international sur la démocratie nationale. En France, 5 mois après l'élection présidentielle de 2017, une rencontre mémorable a lieu à l'Élysée. Emmanuel Macron invite des investisseurs, au premier rang desquels figure Larry Fink, le PDG de BlackRock. «
Le président français souhaite attirer les grands gestionnaires de fonds du monde dans l'Hexagone. Voilà pourquoi il avait déjà rencontré Larry Fink à plusieurs reprises, peu après sa prise de fonction. Aujourd'hui comme alors, les entretiens ont lieu à huis clos. Macron ne veut aucune caméra. Après, je pense qu'il est intimement convaincu, et je pense qu'il a raison de l'être, du fait que il faut être proche de ces gens-là, en tout cas en matière de business, pour parvenir à les faire s'installer sur le territoire français ou simplement y faire des investissements. Parce que ce qu'il cherche à attirer aussi, c'est l'argent, c'est les fonds. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. À cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cirelli. Cet ancien conseiller du président Chirac a aussi fait de Gaz de France l'une des plus grandes compagnies énergétiques du monde. Et tout comme Friedrich Merz en Allemagne, il ne cesse de réclamer un recours accru aux fonds spéculatifs pour l'assurance vieillesse. Nous faisons une étude chaque année pour savoir ce que veulent les Français pour leur retraite. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. C'est Jean-François Cirelli qui parle. Pendant que les lobbyistes financiers comme BlackRock renforcent leur lien avec Emmanuel Macron, le gouvernement français se heurte au mouvement des Gilets jaunes. Ces derniers s'élèvent contre ces réformes économiques libérales et sont révoltés contre les politiques qui laissent les géants de la finance se partager le monde entre eux. Du tout, donc ce sont des gens qui sont en protestation par rapport au système. Alors, est-ce que cette protestation par rapport au système, elle est due à la financiarisation et à BlackRock et à tous ses amis de la finance? C'est un peu rapide. Ce qui est vrai, c'est que le système de la finance lui-même a été générateur d'un niveau d'inégalité assez important et que la protestation de ces gens-là, elle est aussi contre les inégalités. Voilà, mes chers amis, nous arrivons à la fin de mon émission. BlackRock, c'est très important, vous devez écouter la totalité. Et vous avez bien entendu ce que vous avez entendu. Parisienne, l'eau parisienne, mes chers amis, 1er janvier 2020, il a écrit « Légion d'honneur, la promotion de Jean-François Cirelli, patron de BlackRock France, critiqué. Jean-François Cirelli a été élevé au garde, c'est important, hein, garde officier de Légion d'honneur. Mes chers amis, vous vous rappelez de ça? Enfin, histoire est longue. Légion d'honneur pour le patron de BlackRock français et les contestations de Gilets jaunes qui a commencé, maintenant c'est étouffé, et l'histoire ça continue, et vous avez pu entendre dans ce reportage d'honneur 30 réalisé par Arte, de vente des armements jusque médicaments et jusque caisse de retraite. C'est BlackRock.